Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Je viens juste de me réveiller. On va parler aujourd'hui des problèmes de réseau sur l'iPhone 4. La chaleur est de retour à Grenoble, donc petit podcast torse nu, et si ça vous plaît pas, c'est la même. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de réseau donc sur l'iPhone 4, comme vous le savez, qui a une tendance à perdre le réseau si on le tient de la main gauche. Aucun rapport sexuel là-dessus, votre main gauche tient un téléphone, on est d'accord. Il perd les réseaux quand, comment, pourquoi? Je vais vous montrer ça de suite. Vous avez ici sur le côté donc les petites antennes de l'iPhone 4. Ici, là, ce petit truc, c'est tout simplement ce qui sépare les antennes, toute la partie en alu autour, en acier, pardon, autour. C'est des antennes. Alors, celle-là, la grande, là, ça en est une GSM, Bluetooth, Wi-Fi, je crois. Et l'autre, ça doit être GPS. Non, ça doit être le contraire, du coup. Enfin, bref, chaque antenne pointe vers un truc. Ce qui fait que, du fait que les antennes sont à l'extérieur et bien plus grandes, vous avez une bien meilleure réception. Je capte la 3G à des endroits où je ne captais même pas de réseau avant, donc c'est assez grandiose. La précision du GPS est bien meilleure aussi, puisque ben, je suppose que ça doit être celle-là, puisque le GPS ben, a une plus grosse antenne aussi, donc vous localisez bien mieux. C'est réellement flagrant, surtout avec des petits logiciels comme Avertinou, un avertisseur de radar, dont je vous ferai un petit podcast très rapidement dans la semaine. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Alors il y a eu plein de trucs, on disait que quand on mettait là, on cachait tout simplement l'antenne. C'est complètement con puisque l'antenne elle est à l'extérieur et non plus à l'intérieur. Il faut donc voir que ici, alors on va essayer de zoomer à peu près, enfin de zoomer, de faire une mise au point à peu près, donc on va reculer parce que là ça ne fonctionne pas. Ça c'est donc un isolant, le petit truc noir entre les deux parties métalliques. Quand vous mettez votre main ici, vous faites tout simplement conduire le courant et ça fait passer de... Mais ça fait un court-circuit pour faire plus simple, c'est un petit court-circuit d'antenne. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça pour des antennes. Comment on se rend compte de ça? C'est tout simplement en posant un couteau. Vous mettez un couteau à plat ou un fil de cuivre ou ce que vous voulez. Un couteau, ça fonctionne mieux puisqu'il y a plus de zones de contact. Entre ces deux trucs, j'ai testé hier soir durant ma pause déjeuner au boulot, et ça fonctionne sans souci, c'est-à-dire que dès que vous touchez ici, bon, si vous mettez que votre pouce, ça va pas fonctionner, mais si vous mettez un couteau ici, les bandes de réseau ben, vont tomber comme neige au soleil. Si vous mettez votre main en entier comme ceci, le réseau va aussi se vaporiser. Alors en fait, tout le monde se plaint, ouais, c'est pas bien tout ça, ça perd le réseau, il vaut rien cet iPhone. Bon, déjà, il faut un peu se calmer puisque sur tous les produits, quels qu'ils soient, on dira, Fred dirait, surtout sur les produits Apple. Bon, il y a toujours un problème. Sur le 3GS, c'était l'autonomie. Sur le 3G aussi, c'était l'autonomie. Là, on a un truc qui corrige tout, sauf, bon, il y a un petit problème d'antenne quand on le tient à gauche, enfin petit. Quand on le tient à de la main gauche, ben, il n'y a plus de réseau. Bon, soit. Mais en fait, c'est pas si grave que ça. Je vous explique tout simplement. Avant, on avait le mode avion qui permettait de couper toutes les communications, enfin tous les accès réseau, donc Wi-Fi, GSM, GPRS, tout ce que vous voulez, sur votre iPhone. Maintenant, on a tout simplement le mode je passe sous un tunnel. Si vous voulez couper la conversation avec quelqu'un, que vous avez autre chose à faire tout simplement, hop, vous mettez votre main du bon côté de l'iPhone. Voilà, donc ça sonne, vous mettez votre main du bon côté de l'iPhone et hop, c'est réglé, vous passez sous un tunnel. La technologie, ça a quand même du bon. C'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.